Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Unis au sang, ces hommes noirs, Taïmada, chez notre aîné. Mesdames et messieurs, bienvenue. Deuxième partie Critique Info. 10 millions de dollars pour aider nos entreprises locales, le FPI. C'est des postes qui en parlent. La République se penche sur une enquête pour détournement de fonds contre le ministre UNC John Tumba dans le programme de 100 jours. Africa News, la communauté libanaise exprime à nouveau sa solidarité. Au Sénat, la procédure a été respectée. Badibanga n'a rien à voir avec le courrier Goya ATM. Le bureau du Sénat travaille dans la quiétude. Mesdames et messieurs, Mbote. Bolanda Kibino Moko, depuis un moment donné, Likambouya décret au Premier ministre Azwaki pour n'avoir créé secrétariat Moko, il y a président de la République, il y a ancien président de la République. Natangela Kabino Moko Loana, ba dossier, disons, bateau Bazaki contre mesure Wana de la façon la plus farouche que possible. Na première ligne, Tozalaki, na professeur André Mbata, ngana benga kaye le savant Mbata, oyabimisaki le 4 péché originel, il y a question, il y a décret, il y a premier ministre. Le 7 péché cardinaux, il y a le savant professeur Njoli, il n'y a pas le baki yango. À Cage, il y a maître Georges Kapiamba, ba dénonça qui payango. À Zado, il y a Georges Katende, pardon, il y a Jean-Claude Katende, yepe a dénonça qui yango. Congo Beuse, pe dénonça qui yango. Alors, toujours comprendre te, ba lingi ba continue la logique wana. To loba ki na bango que toboyi, et le commodèle wana, ba yo kite, ba lingi ba bandela lisu su yango. Tozo yo kaba soupçon comme quoi non, président a annulé Aboyi Yango, tout ça. Bizo to lingi te kata la ke président Aboyi Yango. Bizo to lingi que peuple congolais de Aboyi Yango. To lobite ke bachi Yango en suspens. To lobite ke bachi Yango pembeni. To lobite ke bachi Yango pembeni. Non, on dit ici que to lingi ba renoncer na Yango. Nous demandons au FCC de renoncer. Ba renoncer na eloko wana, ou ba lingi ba sa la secrétariat particulier. Il y a ancien président. Ça n'existe dans aucun pays du monde, les Alakate et le Kouana. Nous ne sommes pas le premier pays à avoir un ancien président. On n'est pas le premier pays. Nous sommes des élèves qui apprennent très mal et on devrait en principe être beaucoup plus respectueux des autres. Dans le Sénégal, il y a des anciens présidents. Est-ce qu'ils ont un secrétariat? Pourquoi? Pour qu'ils fassent quoi? Le président, l'ancien président Yambo Kanabiso, la République n'a jamais été aussi clémente. N'a pas tout le corps était pas là. Où va ça les lier? Les avantages. Oyo yé ancien président Zozoa. Aucun ancien président, aucune famille ancien président, ils ont comme avantage ancien président Zozoa. Est-ce que vous pensez que les avantages que M. Kabila a en tant qu'ancien président de la République, ils ont avantage aux familles Anani Bazanango, ils ont avantage aux familles Mobutu Banango, ils ont avantage à famille y a je veux dire, il y a Kassavou Bazarango. Non. Pourquoi faut-il accorder beaucoup plus d'avantages? Au-delà de ça, même à ta, le temps de réfléchir, il faut poser la battue modèle Nini pour n'avoir qu'à initier le modèle Luana. Vous voyez que c'est une mentalité à bateau, à vivre dans le cadre d'idolâtrie. Bateau, à vivre dans le cadre d'idolâtrie. Ça dit que le savant Mbata traite de turiféraire, de tambourinaire. Bah renégat, je veux dire comme ça. Parce que moi, je ne peux pas comprendre. Bateau, bah, c'est normal. Tozan a Covid-19. Tozan a besoin de Yambongo. Nous avons des médecins qui ne sont pas payés. Plus de 1500 médecins, bah, c'est mécanisé. Nous avons des enseignants. Bah, nouvelle unité, bah, c'est ébélé. Bah, foutamina nouté. Nous avons des fonctionnaires de l'État qui peinent, qui ont des problèmes. Tozan a salarié ébélé au Mithala Ezate. Nous avons des secteurs de priorité dans Mboka. Oezon nous relance. Le chômage est à 96%. Nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas d'électricité. Mais comment l'énergie d'un gouvernement
se concentrer sur la création d'un secrétariat. Bato modèle wana ce que bataka batou to bungsi boli mona bango. Milimo bato union se sont souffrir le na Congo et le bango le côté taux de mortalité auto freiner na noté. Taux de natalité auto rationaliser na noté. Agriculture auto faire avancer na noté. Mais comment vous ne voulez pas comprendre ma biloko da minene des choses cruciales pardon na mboka de makambo est beaucoup plus important. Pour la biseau évoluer, Bozuyongo Mochango Pembeni, Obino Bolingibo Kela, et dans les secrétariats, il y a président, il y a ancien président de la République. C'est quoi l'affaire? Moi je suis en train de poser la question, mais Batou Veni Namutu Nabango, qu'est-ce qui se passe exactement Namutu Nabango? J'entends que les gens dire non, Botanga point 7, il y a article oh, il y a un ancien chef d'État. Il ne faut pas dans le secrétariat Nabango. Mais ceux qui font pas dans le secrétariat Nabango, qui paye le secrétariat Nabango? On a parlé d'un secrétariat, d'un bureau de moins de 7 personnes. Maintenant donc, vous allez demander à l'Assemblée nationale de statuer parce qu'il y a un bureau doit s'organiser de 7 personnes. Vraiment. Et vous voulez qu'on soit sérieux. Vous voulez vraiment qu'on soit sérieux. Ce qui est dit, c'est la loi, c'est le lobby. Pourquoi M. Kabila a des généraux avec lui? Pourquoi il en a encore? Ce qui est dit, c'est la loi. Quelle est la loi qui donne à M. Kabila la possibilité d'avoir des généraux avec lui? Quelle est la loi qui donne à M. Kabila d'avoir autant de militaires qu'il a? Parce que vous voulez qu'on aille dans la loi. Quelle est cette loi qui l'autorise d'avoir tout ça? Est-ce qu'aujourd'hui on peut répertorier le personnel au Bada, le lot n'avait pas à M. Kabila? Qui leur paye? Vous pensez que ça vient de la poche de M. Kabila ou c'est le trésor public? C'est quoi l'affaire, mes frères? C'est ce que Bolingui Joseph Kabila était. Que Bolingui était. Au lieu de Bolingui, il faut initier la population. Le pauvre peut-être n'a même pas demandé ça. Il y a peut-être à Sengine et à Ngoté. Mais parce que Batambouriner, Balingi va s'aller à plaisir, Balingi Bouena, comme on a, on va le haïr pour rien. Il a besoin de se reposer. Qu'est-ce que le monsieur ne vous a pas donné? Il vous a tout donné. A comme ici, il y a un ministre. A comme ici, il y a un premier ministre. A comme ici, il y a un PDG. A même il y a un poteau, il y a un poteau, il même pas. Il y a compétence, il y a personnel. Peut-être que Bangabo s'en sortir. S'il fallait tenir compte de vos compétences, peut-être que vous ne serez même pas cité. Mais grâce à ça, à sa manipuissance, tout ça, il vous a fabriqué, il vous a créé. Mais le merci au Bengo Pesaye, il vient de cobimiser la population, qu'on modèle. C'est être égoïste, vous ne voyez pas? Le peuple congolais a l'impression que M. Kabila est égoïste. Pourtant, les pauvres n'ont rien demandé. Mais si M. Kabila lui-même ne sait pas arrêter la folie de ces téméraires et de ces tambourinaires, ça va être assez compliqué. Monsieur lui-même a une rente de combien? Est-ce que vous pouvez imaginer rente à M. Kabila à combien? L'État foutrait combien? Les gens parlent de 600 et quelques mille dollars. Est-ce que vous pouvez imaginer le modèle wana? Mon modèle wana. Est-ce que vous pouvez imaginer Watandam? Ce qui va créer M. Kabila secrétariat, alors ça ne sert à rien d'avoir un président de la République. Parce qu'il sera beaucoup plus avantageux que le président. Les avantages qu'il tire, les avantages qu'il a président de la République. Ça veut dire quoi, Bandeko? Bolingi Bombe Mbiso Wapi, alors dites-nous. Bolingi Bombe Mbiso Wapi. Tout ce que vous avez gagné, quel est ce citoyen congolais? Citoyen congolais, en gros, nani, ou à un niveau à M. Kabila, en termes matériels. Nani. Qui a une maison, une concession à Congo, le Kola Kingakat? Qui en a? Dites-moi, Wapi, où? Qui a une concession comme Kingakat? Qui en a? Je vous ai dit ici, la ville la mieux urbanisée, c'est la ville de Kingakat. La ville la mieux urbanisée, la mieux électrifiée, la mieux sécurisée, la mieux protégée, outillée, c'est Kingakati. Et je le dis sans aucune animosité, je n'ai pas de problème avec M. Kabila. Seulement, je suis en train même de... Moi, je crois même que M. Kabila, là où il est, il sait que Christian Bossembe m'aime beaucoup. Et tout ce qu'il veut, c'est que je reste en vie le plus longtemps que possible. Et en liberté même. Mais tout va autour de lui, Balingi Angote. Ceux qui sont autour de lui, ils ne veulent pas ça. Ceux qui sont autour de lui veulent l'amener là où il ne veut pas aller. Est-ce que possible que Kabila secrétaire? Est-ce que le rôle là, ça va l'intéresser? En quoi ça va l'intéresser? Que ce soit dans la forme ou dans le fond, en quoi ça va l'intéresser? Monsieur Kabila a été président pendant 18 ans. Combien d'hôpitaux on a eu de références? Combien de routes on a eu de références? Combien d'universités on a eu de références? Quel était le niveau du chômage qu'il a laissé? Quel était le niveau de la pénétration à Moussala qu'il a laissé? Combien d'usines et d'entreprises a-t-il créé? Quel a été le niveau? Il y a gestion à Gécamine, il y a gestion à Miba.
entreprise à Koutaki, la Congo Tikini. Combien de stades lui il a créé? Combien de ponts lui il a jeté? Ce sont des questions qu'on se pose. Alors, quand on ne l'a pas fait, quand on a été président, vous pensez vraiment qu'on va le faire quand on est secrétaire? Boni Boko, Bande Kolangaï. Il faut que tout le monde soit Mickey Bongo. Et là, on a obstiné. Est-ce que M. Kabila vous a dit qu'il manquait de quelque chose? Est-ce que M. Kabila vous a dit qu'il était en manque de quelque chose? Laissez M. Kabila vivre avec sa femme, avec ses enfants, à vivre dans Bango bien. Nous avons besoin qu'à participer dans le mariage à moi et moi aussi. Nous voulons qu'à participer dans le diplôme, dans l'élévation, dans le grade, tout ça, il y a moi et moi. Nous ne voulons pas qu'il ait des problèmes. Voilà pourquoi nous vous demandons de le laisser tranquille. Il a besoin de la paix. Il veut vivre lui aussi longtemps. Il veut vivre longtemps, laissez-le. Laissez-le. Et il est au-delà de tout. Au-delà d'être le citoyen le mieux servi de notre pays, il est sénateur. Monsieur Kabila a deux avantages au Ebani. Avantage à Liboso, à un sénateur à vie, à une immunité. Avant un bon go, il y a salaire, il y a député, il y a sénateur. Donc, salaire, il y a sénateur, M. Kabila, il y a un petit peu de temps. Est-ce que vous pouvez imaginer? Il aura deux salaires. Salaire, il y a ancien président de la République. Il y a un peu de famille, il y a un récupéré. Azali, il y a salaire, il y a sénateur. Et je crois qu'à un niveau, M. Kabila, il va rappeler que le salaire est bimaki. Il va rappeler qu'il va rappeler. Je ne le vois pas lui aller na kokendo toucher kuna na zo monate. Ou vous pensez vous monsieur Kabila qui est na banque, hein? Sénateur Kabila, vous le voyez lui aller à la banque? Ça dit ce monsieur n'a pas besoin de sénateur, il a besoin en bon monate. Il n'en a pas besoin. Ce qui est pour non mais il va protéger pour que non, on l'a déjà dit, il a les immunités parlementaires. Est-ce que ce n'est pas suffisant vraiment? Qu'est-ce qui peut protéger encore que le Kayango? Le secrétariat, vous le placez dans le régime juridique Nini. Quel est le régime juridique il y a secrétariat? Il sera justiciable devant qui? La cour de cassation? La cour constitutionnelle? Devant qui? Pourquoi voulez-vous créer un désordre pour là où il n'y a pas de désordre? Un mot avant d'en tout dans mes nanga. Et le côté qu'il y a Congolais, il y a la Côte d'Ivoire est un ancien président. Le Ghana en a. Zambie, bah, n'ango semi balé. Bah, pays belé africain, bah, n'ango. Afrique du Sud, bah, n'a deux présidents. Deux anciens présidents. Il y a Thabo Mbeki. Non, on a Bazali, n'a Zuma Bazali. Alors, c'est quoi le problème? Pourquoi faut-il en faire un problème? Pour Nanini, il faut qu'on en faire un problème. Son otali, explication, motivation. Il y a professeur Jacques Njoli. Autant les pénobis, mais je ne comprends rien. Est-ce que Batou a quand on a battu la qui convenablement? Qui a été le rédacteur de cet article-là, de cette loi-là, proposition? Merci Raïs. Merci pourquoi? Merci pour Nanini, pour avoir fait quoi? Les gens disent, oh non, merci pour avoir quitté le pouvoir. Mais vous voulez qu'il fasse quoi? Arrête qu'il a le pouvoir libéré là. Il allait partir, non? Où est le problème? Les Américains disent merci à Obama parce qu'il a quitté le pouvoir. Oh! C'est normal, c'est naturel. Quand vous avez été président de la République, au bout d'un temps, vous devez partir. Et nous avons eu M. Kabila, au bout de 18 ans, il a quand même décidé de partir. Et ce n'était pas parce qu'il aime le Congo ou il... Non, c'était le temps. Mobutu disait en son temps. Un fruit tombe devant l'ouragan ou la tempête. Mûr ou pas mûr, le fruit, ça tombe quand même. C'est Mobutu qui a dit. Devant l'ouragan de l'histoire, un fruit, mûr ou pas mûr, il tombe quand même. Ça veut dire qu'il y a un temps pour tout. Et là, Konyoso et Zalakanali Bandeli, et Zalakapena Soukanango. Il y a eu un jour Kabila, et il y a eu un jour Tshisekedi. Il y aura un autre jour Christian, ou un autre jour je ne sais pas moi un autre nom. Jérémy ou tout ça. Comme vous pouvez vous dire qu'un jour, Homo, tout ça. C'est comme ça que la vie se passe. Vie dans un bongo. Alors je ne vois pas pourquoi vous avez écrit merci, Raïs, n'a évité. À en croire que nous sommes dans la minute, là, nous on a un problème. Budget, il faut recalifier.
il faut te revenir un peu. Parce que le Covid a créé des problèmes. Tozan a ma coquité. Nous n'avons pas assez d'argent. Tozan lutte contre train de vie ostentatoire et abandonné comme dans la gestion en Bokanabisso. Moi, je pensais écoute, que le Premier ministre, il y a des idées, par exemple. Ceux qui ont besoin de Pézambouk. Premier ministre, ah, bon, nous n'avons pas assez d'argent. Est-ce que c'est important d'avoir 500 députés maintenant? Est-ce que c'est important d'avoir 37 ministres maintenant? Oh, en raison, il y a un cas de Covid. Nous avons renoncé à Bokanabisso. Tout ça, l'économie. Nous demandons au gouvernement, au gouvernement et à l'Assemblée nationale de trouver des moyens pour réduire le salaire d'Abisso. Sinon, pour réduire le nombre d'Abisso. On commence par le plus souple, le gouvernement. Nous demandons au Premier ministre de reformuler un autre gouvernement, mais en retard à 15 personnes. Tout comme ça, tu économises, bon, tu as un peu de temps. Tu n'es pas présent d'ailleurs plus, tu as un diminué le cabinet. De réduire le cabinet à président de la République, de réduire le cabinet, cabinet ministériel, de réduire le nombre de députés Nabisso. C'est possible, non? C'est des lois qu'on prend si on veut faire avancer les choses. Ou si on dit que bon, qu'on réduit le mandat de bien tu réduis le gouvernement, mais le député, tu réduis les émoluments. On peut le faire. On prend une loi, on réduit les émoluments. Peut-être à 50% ou à 70%. On va zapper Mbamoko. On peut le faire. Si réellement nous voulons que payer Ken. Mais on est encore dans ces conditions-là. Bozo Lukabuba qui s'embongoya, Boba que c'est là, M. Kabila, ma secrétariat naï. Ok, c'est très bien. Bongo ya ba soda, Boba qui s'y Boba Sakan. Salaire ya ba soda, Boba Ksate. Salaire ya ba professeur, Boba Ksate. Salaire ya ba maître, Boba Ksate. Ya ba fonctionnaire, Boba Ksangote. Ya ba policier, Boba Ksate. Ndeko, ça vous est déjà arrivé à Gobeta Tourna Bakan. Vous savez ce que les militaires pensent quand vous dites ces choses? Ils sont très énervés. Les policiers, ils sont très énervés. Vous mettez à tour dans le camp de Fungula, vous êtes quand même un policier. Vous mettez à tour dans le camp de Fungula. Moi, j'aurais bien voulu que le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre, en quoi je suis plus citoyen que Bango? Pourquoi elle doit vivre dans ces conditions et pas moi? C'est comme ça qu'on crée un État. Lorsque Platon parle de la moralité de la gestion de l'État, Platon veut que l'homme qui gouverne se mette à la place des gouvernés, se mette à la place des administrés. Saint Thomas d'Aquin estime que de réussir, ce qui te réussir, justice sociale, t'es. Un pasteur américain, Billy Graham, lui aussi, il pense qu'on ne sera jamais en paix. Tant que les uns marcheront à Candilac et tout le monde va dans ma longue distance. Moi, j'aurais voulu que le gouvernement congolais, le ministre, le ministre, oh, comme ça, quand Kabila, mais tout ça, c'est quand Mobutu. Je crois qu'en sortant, en rentrant, vous comprendre que, ah, on s'est donné beaucoup plus de pouvoir, quoi. Vous êtes coupé de la réalité sur terrain. Cher peuple congolais, n'acceptons pas l'inégalité à modèle Wana. N'acceptons pas les inégalités de ce genre-là. Monsieur Kabila n'a rien demandé. Il n'a rien demandé parce qu'il n'est pas en position de demander. Il ne manque de rien. Il ne manque de rien. Et le secrétariat que l'on veut créer là, c'est en réalité une présidence bis. Oh, bango balingi ba sala, balingi ba créer présidence bis. Tant comme on dirait, on a deux présidents. Tant comme on a deux cabinets présidentiels. Oh, bango balingi, tant comme on a niveau na yango wana. Biso peut te lobby, hein, to boi. Peuple congolais a boi yango. Peuple congolais a boi. Ceux qui ont secrétariat à M. Kabila, ont appelé secrétariat à Mobutu. Comme ça, il y a à la place. Ils ont appelé secrétariat à Kabila, à Kasavubu. Ils ont appelé secrétariat à Laurent Désiré Kabila. On va encore voir d'autres personnes qui vont aller là-bas. On ne peut pas faire ça. Si vous dites-moi un peu, ils ont secrétariat à l'ancien président. Si vous dites Félix Sayer, on a sous-secrétaire. Parce qu'il n'est pas ancien président. Dans 10 ans, qu'est-ce qui va se passer? Lui aussi reviendra, il va dire quoi?
Je suis sous-président. Et quand quelqu'un d'autre viendra à la présidence, dans peut-être 10 ans encore, ou disons 20 ans, qu'est-ce qui va se passer? Lui aussi viendra et dira non, il est sous-secrétaire. Ou il va créer lui aussi son propre secrétariat. Et puis à un moment donné, dans 15 ans, 20 ans, on aura une république des secrétariats maintenant. Et vous aurez créé le désordre alors. Non, non. La différence entre les hommes d'État et les petits politiciens, c'est que le petit politicien ne pense que dans le niveau dans le présent. Il ne voit pas le problème dans l'avenir. Nous, nous voyons les choses dans l'avenir. On dit, ne faites pas ça, vous allez créer un précédent fâcheux. Et vous êtes-il à mon côté? Parce que tout ce que vous allez faire pour Kabila maintenant, on le fera pour Fatih demain. Et ce qu'on fera pour Fatih demain, on le fera pour quelqu'un d'autre demain. Et ça va être pas bien. Et vous allez la mouter. Voilà pourquoi nous vous demandons de revenir sur la décision. Nous demandons au FCC de renoncer. Pas plus autre chose, renoncer. On n'a pas besoin de ça. Nous n'avons pas besoin d'un secrétariat. Il y a ancien président de la République, on n'en a pas besoin. Les anciens présidents de la République doivent disparaître. Quand je dis disparaître, ce n'est pas mourir. Ils doivent apprendre de vivre en silence, dans le secret. Nous, on leur a accordé une place de choix au Sénat. Bayakova dans la Sénat. Depuis la plénière, il y a que Joseph Kabila a zaté. Ayad Mbartam m'a mort dans la Sénat. Donc, on comprend pourquoi ils ont zaté. Comme que ce que Joseph Kabila a dit dans la Sénat, mais il y a des gens qui ont zaté. Pour le chef de classe en gaz à la main. Imaginez-vous Joseph Kabila dans la salle et Tambou Mambassa, Mambassa la Kiona. Je ne pense pas. Monsieur Kabila doit apprendre à venir au Sénat. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas mauvais. Ayepé a vendu dans une place, a occupé plénière. Si on occupe avec le Bakisapé, dans le Bapé, ayez pas lobby. Tomoni pas Tomoni peut le Boko lobby. Ça serait bien fait, aussi bon pour la démocratie. Donc voilà un peu, c'est pourquoi moi j'interpelle l'IDGPA, conduit par le savant et le génie professeur Mbata. Je demande aussi à CAJ, Oezali accompagné, disons, dirigé par le brillant Georges Kapiomba. Et puis, pourquoi pas, na Zado, Oezali dirigé par monsieur maître Jean-Claude Katende, bas sont organisés des façons de maintenir la pression, la société civile et tous ceux qui se retrouvent dans le combat. Il y a libération en Congo, tous à l'ensemble, pour dire non, comme un seul homme, tout Boyango. Nous disons non. Nous considérons que c'est une masturbation politique et nous ne voulons pas de cette branlette. On n'en veut pas. Ce que nous voulons, c'est que M. Kabila se contente na ancien président Naye, na sénateur à vie au Azanango. Les deux salaires sont déjà importants et suffisants. Nous pensons que M. Kabila a le droit de vivre dans Mbokanaye sans être inquiété, mais si la justice a besoin de lui, qu'il réponde comme tout citoyen. Ce que nous refusons, c'est que Bato Balingaka Kabila te ba memaye na libulu, alors que Kabila n'a pas demandé ça. Si vous pouvez comprendre le langage. En le faisant, nous allons sauver notre République. On va sauver la République. Dose la paix d'or. Moi, je demande même au président de la République de nous permettre, même pas au président de la République, je veux dire, ça c'est une demande que je pourrais faire directement à M. Kabila. Et je félicite d'ailleurs, il a donné à Pessi hôpital Naé, hôpital Nabango, on va dire. Après l'hôpital Nabango, va traiter la COVID. Dans l'hôpital Nabango, je suis très content. Je dis merci. Merci beaucoup. C'est bien de nous donner l'hôpital Loana. Mais quand vous étiez président aussi, vous avez créé beaucoup plus d'hôpitaux. Il y a un modèle Loana. On vous serait gré encore. On vous serait davantage gré. Mais maintenant, là, ce n'est pas un problème. Le fait de l'avoir fait est d'appeler bien. Tout ce pays Nango. Ce que nous demandons, c'est aussi un peu d'argent. Monsieur le président Kabila, c'est une très bonne chose, c'est une première. On s'est monté, mon salaire quand même. Alors, est-ce que au coquille coupé ça bisson dans bon côté, tu peux ça na bandeko bazana riposte. Est-ce que tout le monde qui madame après ça qui bah chloroquine,
même ceux qui ont balouka qui a pris qui va colokini à mabé à malamu, un débat a été fait là-dessus. Mais ce que le bibou yomoko en tant qu'ancien président de la République conscient peu que tikimbo quand même va complication miki miki au koki peu koya attendre moi 1 million té attendre moi 2 millions kak to peut 3 millions kak oui na moi 3 millions ou peut si bande koya ya riposte au monter que vous allez bien ce que ça dit vous allez pas bien. Comme on dit pendant que président Kabila aye, je veux dire honorable Kabila aye, a coupé bande de Covid a participé président Muyembe pardon docteur Muyembe parce que dans la République le président docteur Muyembe a participé non docteur je suis très content je viens vous donner 3 millions au moment que vous avez bien on va aimer on va véritablement aimer en fait c'est une demande que je fais au, à l'ancien président Kabila. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je termine pour dire que la création du secrétariat de l'ancien président, nous disons non. L'examen de la question à l'Assemblée nationale, on dit non. Bah, député à la Mouka, bah, député à IDEPES, bah, député à FCC, à Malamu, bah, député à M. Batulukwebo, bah, député à bah, oh, Moussousou Bada, bah, indépendant, bref, tous ces députés-là, tout ce qui n'a bien bobo ya ko examiner loi ana boko ta na monate bobo ya ko examiner yango s'ils vont prendre la décision qui la prennent bango moko et concerner bango moko et voilà donc ce que nous voulons demander aux gens. Merci d'avoir été nombreux, merci de nous suivre, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour la Loye Molonde Nelalisa.